Bonjour tout le monde. Je voulais faire une vidéo. Donc déjà depuis un moment je voulais la faire, mais je trouvais pas le temps. Donc là j'arrive à trouver du temps et je voulais faire une vidéo pour ce qui concerne donc le tableau de Mademoiselle Lenormand. Donc pour ceux qui connaissent ce tirage, il est riche et en fait il a surtout été conçu pour faire un tour d'horizon hein, quand on n'a pas vraiment de questions. Bien sûr, vous pouvez le faire si vous avez une question, bien sûr, puisque vous avez les cartes maîtresses, elles sont toutes ici. Donc vous faites par exemple si vous avez une question sur l'argent, vous allez regarder la carte qui entoure l'ours. Si vous avez un souci de cœur, vous allez regarder la carte qui entoure le cœur, etc. etc. Hein. Mais il a surtout été conçu pour vraiment faire un tour d'horizon et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Donc là, en fait, j'avais déjà fait une vidéo sur le tableau. Donc là, j'en ai fait un nouveau, hein, vraiment pour donner d'autres aspects, etc. Voilà, je voulais vous expliquer un peu comment ça fonctionnait. Donc, sachant que les cartes de Mademoiselle Lenormand, alors il y en a beaucoup qui aiment ce jeu parce que. En fait, ce sont des cartes qui vraiment se lisent à deux, en association et jamais seules. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant avec ce jeu. Donc quand on fait ce tableau, hein, c'est vraiment très riche. Donc là, j'ai fait vraiment quatre lignes avec neuf cartes. Il y en a qui font des lignes avec huit cartes et qui à la fin mettent 4 cartes ou 5 cartes, je ne sais plus d'ailleurs. Donc voilà, pour faire comme une synthèse, etc. Moi, je le fais toujours comme ça. C'est ma façon de faire depuis le début. Et voilà, ça donne vraiment un aspect, ça donne vraiment un tour d'horizon. Donc, à savoir que voilà, les cartes se lisent toujours comme ça. Hein. Ensuite, vous pouvez le faire comme ça aussi. Et en diagonale, en descendant comme ça, et bien évidemment en remontant en diagonale comme ça. Jamais lire une carte comme ça à la carte avant. Ça ne se lit pas. Voilà, donc après, vous avez aussi les interprétations de groupe. Si vous connaissez, enfin, si vous êtes déjà dans, enfin, si vous faites vous-même des tirages et que vous connaissez les cartes, etc., vous pouvez aussi à la fin hein, faire des associations de groupes, comme quand vous commencez vraiment à bien les connaître, vous pouvez vraiment voir que ça raconte une vraie histoire. Donc là, on va s'intéresser, alors bien évidemment, on va s'intéresser à la femme ou l'homme, si voilà, c'est un homme qui consulte ou si c'est une femme, etc. Ou encore si c'est une question d'amour, de sentiment, de couple. Alors je vais bouger un peu ma caméra pour que vous puissiez voir quand même. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on voit la femme et l'homme, ils sont sur la même ligne. Donc généralement, quand ils sont sur la même ligne, c'est pas perdu, hein. Souvent, c'est qu'ils sont sur la même longueur d'onde et que voilà, ils sont connectés quand même. Alors, ce qui est intéressant d'aller regarder, c'est ce qui se passe entre eux, justement. Là, on a la carte du cercueil. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que c'est un couple qui se remet en question. Donc, l'homme se remet en question, mais la femme aussi. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est ce qui se passe après la femme. Et là, on voit bien que c'est la femme qui tient les clés, enfin, la solution à ce problème de couple, au problème qui se passe entre eux. Alors, après, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il y a autour de la femme, ce qu'il y a autour de l'homme, évidemment. Donc, là, autour de la femme, on a le serpent, donc on a la carte de la clé, on vient de le dire. On a la carte du vaisseau et on a la carte de la maison. Donc, on comprend ici que cette femme aurait peut-être été trahie ou elle-même a trahi. Elle a la solution donc à ce problème de couple. En même temps, ici, il y a une forme de distance avec la carte du vaisseau qui, à elle toute seule, est très riche, hein. Donc, c'est pour ça que les associations sont très intéressantes. Et on a aussi la carte de la maison donc qui, voilà, qui vient nous dire, en fait, on voit dans la ligne de la femme. Voilà, qu'elle est en deuil, qu'elle est en souffrance, et on a la maison et le jardin ici, ce qui va nous dire ici que elle est quand même, elle a des valeurs, elle tient donc à sa famille, à sa maison, à son foyer, etc. On a vraiment le côté du respect de la famille, de la maison, etc. Hein. Et par rapport à l'homme, c'est un peu, voilà, ça va vraiment suivre l'histoire ici. Puisqu'on a la carte de la tour, du cercueil, de l'ancre et du lys. Et au-dessus, on a la carte
axe des nuages qu'on va interpréter comme ça, hein, et non pas comme ça. Alors, bien évidemment, avec la carte de la tour, on voit clairement que cet homme est dans le doute. Là, avec la carte du cercueil, il est, donc je l'ai dit tout à l'heure, il se remet en question. Il est ancré dans cette position actuellement, hein. Il a l'air fidèle, lui, par rapport à la femme qui peut-être a trahi, justement. Et en même temps, on a la carte du lys en dessous de l'homme. Donc, il a l'air sincère, honnête, droit dans ses baskets, etc. Donc, voilà ce qu'on peut voir autour de cet homme. Donc là, ça commence à nous raconter donc une histoire, hein. Ensuite, ce qui est intéressant d'aller regarder, justement, puisqu'on s'intéresse à l'amour ici, c'est la carte du cœur. Donc là, elle est tout en bas, hein, donc elle est associée juste à ces cartes-là, donc à l'encre et, enfin, elle est aussi associée à ceux de derrière. Hein. Mais voilà, ce qu'on voit ici, c'est que c'est un amour qui est solide, enfin, on voit quelque chose de solide, c'est un couple qui tient bien la route. Et il y a eu vraiment de la construction. Ils ont construit des choses, hein, ensemble, puisqu'on a la carte des poissons. On voit que tout allait bien entre eux, etc. Et que voilà, là, ils sont dans le doute et ils se posent justement des questions tous les deux, hein. Ce qu'on voit ici, c'est que la relation s'est refroidie avec la carte de la lune ici. Et qu'il y a clairement du potentiel, c'est un grand amour, c'est une grande histoire, ils ont construit, voilà, avec la carte des étoiles, c'est souvent qu'il y a une connexion entre eux, mais voilà, il y a des aléas dans la vie, et, mais rien n'est perdu, il n'y a pas la carte de la rupture, donc on ne voit pas forcément de rupture, on voit qu'ils se remettent en question parce qu'il y a eu une trahison, il y a eu des mensonges ou des choses de ce genre ici, hein. Alors, on va aussi regarder la carte de l'anneau, puisque ça correspond aussi au couple. Donc là, c'est dans le passé. Pourquoi je dis dans le passé? Parce que dans un tableau, quand on a la carte du consultant ou de la consultante, tout ce qui se passe avant, là, c'est le passé. Donc là, en l'occurrence, on nous raconte pas mal de choses sur le passé, hein. Là, disons que c'est le présent quand ils sont là, et puis le futur, ici. Donc, on n'a pas grand-chose sur le futur, donc pourquoi pas remettre d'autres cartes, etc. Mais souvent, ça parle plus du passé ou plus du futur, etc. Là, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a peut-être déjà eu dans le passé un risque de rupture, puisqu'on a ici la rupture, le divorce, etc. Il y a déjà eu une histoire comme ça, où ils ont failli, mais ils ne l'ont pas fait, puisque voilà, on voit que la confiance a pris le pas, a pris le dessus. Ils ne se sont pas précipités pour se séparer. En tout cas, on a la confiance ici qui a pris le pas sur par rapport donc à ce risque de rupture. Et alors, très intéressant, parce qu'en plus, derrière, on voit qu'on a le chemin qui est accordé donc à la carte de l'anneau et à la carte du trèfle. On voit qu'il y a eu une décision à prendre dans le couple qui a demandé de la réflexion. Ils ne se sont pas précipités. On le voit ici. Ils ont peut-être tourné un peu en rond au début. En tout cas, il y a une décision à prendre à un moment donné et ils ont pris le bon choix. Pourquoi je dis le bon choix? Parce qu'on a la carte du trèfle qui nous parle de bon choix. Voilà, ils ont choisi de continuer, de ne pas se séparer. Voilà. Autre chose intéressante à voir avant, c'est qu'on a la carte de l'enfant ici. Alors, soit ils ont fait le choix de rester ensemble parce qu'ils ont des enfants, ou encore ils ont un désir d'avoir des enfants, etc. Ou c'est en rapport avec une histoire de ce genre, hein. Il y a un désir d'enfant, etc. Et du coup, on peut aussi constater, hein, si c'est pas par rapport aux enfants, puisque la carte des enfants est aussi très riche en informations, que cela pourrait être un nouveau départ. Voilà, ils renouvellent en quelque sorte le contrat, ils renouvellent leur relation tout simplement. Voilà, donc par exemple, si on se penche un petit peu sur la question financière, ou on veut regarder donc autour de l'ours ce qui se passe, puisque c'est la carte maîtresse de l'argent. Alors ici, on regarde toujours pareil, donc les cartes qui l'entourent. Et là, en l'occurrence, on a la carte des nuages, de l'homme, du lys et de l'ours. Je fais ça parce que c'est en avant, mais on va aussi faire en arrière. Donc, ce qu'on peut constater ici, c'est que bon, il y a un homme déjà dans cette histoire. Donc, soit il va s'agir d'un banquier. Ça dépend vraiment de la question, comment elle est tournée. Donc, c'est pour ça que quelques informations sont toujours un peu nécessaires pour se concentrer, pour aller dans la bonne direction d'interprétation.
Alors ici, on voit que la situation financière est un peu incertaine puisqu'on a la carte des nuages. Donc on a un homme, ça peut aussi être un banquier, ça dépend vraiment de la question. Sinon, ce sont les finances de cet homme. On voit qu'il peut y avoir un problème par rapport à une demande de crédit, aux acquis. La carte du lys, c'est souvent les acquis. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'argent, etc. Ça manque de stabilité ici, puisqu'on a une forme d'illusion financière avec la carte de la lune ici. Donc, ce qu'on peut constater dans un premier temps, et ça dépend vraiment de la question. Alors, ce qu'on peut voir derrière, c'est que. Alors, moi, j'ai quand même l'impression que, bon, certes, il y a une illusion financière, mais voilà, je pense que les finances sont stables, parce qu'on a quand même pas mal de cartes stables autour, même si c'est vrai qu'on a la carte du fouet. On a. Soit, justement, il va falloir mettre les finances en ordre, puisqu'on a cette idée ici avec la carte de l'arbre, mais on est bloqué financièrement. Parce que peut-être quelqu'un nous bloque, un banquier, donc ça peut être un adversaire redoutable qui est donc le banquier, même si parfois, même si les finances sont bonnes, et ça peut bloquer quelque part, il n'y en a pas assez, etc., etc. Donc là, on voit qu'on est bloqué financièrement, qu'il y a peut-être, je ne sais pas s'il y a une demande de crédit, puisque sinon elle serait associée à la carte de l'anneau, mais voilà, on est bloqué s'il y a un investissement à faire. Ici. Alors, si par exemple on veut parler d'enfant ou grossesse, s'il y a un désir d'enfant, etc., on va regarder donc évidemment la carte de l'enfant qui, elle, justement, elle est associée donc à la carte qu'il faut, hein, de la grossesse, donc des cigognes. Donc là, ici, on voit qu'il y a un désir d'enfant, qu'il y a une opportunité, il y a un désir d'enfanter dans le couple, etc., qu'il y a un choix qui est en train de se faire par rapport à. Alors, savoir que quand on a le chemin et la carte des enfants, cela peut annoncer des jumeaux, hein, évidemment, ici. Alors, on continue, du coup, si on veut regarder aussi, il y a une question professionnelle, on va aussi regarder. La carte du renard, mais on peut aussi regarder la carte des poissons ici. Donc, moi j'associe la carte du travail au renard aussi. Donc, du coup, là ce qu'on peut voir, c'est que voilà, on a un travail plutôt calme, serein, certes, mais je pense qu'on peut s'ennuyer un petit peu professionnellement, par exemple, ici. Et si on regarde autour, en plus, c'est pas génial parce que certes, on a. Alors, ça peut. Alors, on peut aussi aller regarder aussi tout ce qui est domaine dans le travail. Donc là, on peut penser aussi à un domaine dans la santé, dans le travail, à moins que ce soit un travail qui est plutôt calme. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a peut-être une rupture de contrat, justement. Alors, on voit qu'on a un travail en équipe, etc. On a un travail entre amis. Mais il y a aussi l'idée voilà, de complots, de rumeurs qui existent dans ce travail. Et il y a une rupture professionnelle quand on a la carte de la faux comme ça. Avec la carte des renards, c'est souvent une rupture de contrat professionnel, une perte d'emploi. Voilà, on voit qu'on va s'éloigner de cette situation-là. Si on veut regarder un petit peu au niveau de la santé, on va regarder la carte de l'arbre, évidemment. Mais ça peut aussi être au niveau de votre équilibre mental, de votre équilibre tout simplement dans la vie. Et là, bon, je vais donner plusieurs informations puisqu'on n'a pas de questions précises. Hein. J'ai vraiment pas fait de tirage pour quelqu'un ni pour moi. C'est vraiment pour vous montrer la méthode et pour vous donner un petit peu comme ça une idée de comment vous pouvez interpréter ici. Donc là, elle est associée à la carte de l'ours, de la lune, des étoiles et. En même temps du renard, donc là on peut voir alors soit une infirmière ou un infirmier, un médecin qu'on va aller voir, peut-être pour des problèmes digestifs ici, puisqu'on a la carte de l'ours qui peut montrer des problèmes digestifs, mais également une forme d'instabilité qui peut donner une forme d'instabilité émotionnelle, évidemment avec la carte de la lune, ça va donner des troubles hormonaux si vraiment on vient parler de la santé. Voilà, on peut aussi parler d'ennui. Quand on a la carte de l'arbre et de la lune, on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, on va mal psychologiquement, évidemment. Cependant, on voit une guérison suite à ça, puisqu'on a la carte des étoiles, on voit qu'il y a une guérison.
Et on voit aussi l'assurance qui revient. Donc il y a aussi toute cette idée autour du mental, où quand on n'est pas sûr de nous, quand on n'a plus confiance, on ne se sent pas bien. Et quand on reprend de l'assurance, on se sent mieux. Donc il y a une guérison qui arrive. Alors là où c'est intéressant, donc là j'ai mis sur la carte des poissons. Généralement, la carte des poissons, c'est quand on a une question immobilier ou un investissement, etc. En tout cas, en rapport avec les finances également, d'une autre façon que la carte de l'ours. Là, ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'elle est associée à la carte du cœur. Donc, en fait, elle va plutôt parler des sentiments, des choses qu'on a construites en amour. Et on a aussi la carte de l'encre qui n'est pas loin. Donc, en fait, la carte des poissons, comme ça, elle est associée donc à la carte de la maison. Donc là, on aurait tendance à dire qu'il y a un projet d'achat immobilier, achat d'une maison, etc. Évidemment, avec la carte de la maison. Sauf que là, on va plutôt parler... Alors, ça peut être ça, hein, évidemment, tout dépend vraiment de la question. Mais ça peut aussi être dans la maison, voilà, on a construit... des choses, on peut aussi avoir construit une maison évidemment, et en plus on a la carte de la clé qui est juste vraiment juste au-dessus, donc on pourrait penser à un achat immobilier, on a les clés de la maison, bien sûr que ça pourrait être ça, et vraiment tout dépend de la situation de la personne qui vient consulter. Alors ici, ce qu'on peut regarder, c'est qu'on est quand même attaché à ses valeurs familiales, à son couple, à ce qu'on a construit, et il y a une forme... Alors, je n'ai pas envie de dire addiction, puisque la carte du jardin parle très souvent d'addiction. Moi, j'ai plutôt envie de parler d'habitude et d'être attaché, de dépendance de la famille, de la maison et de ce qu'on a construit. Donc, voilà un petit peu comment on procède pour la méthode hein, du tableau de Mademoiselle, donc le Normand. Donc, ce qui est aussi important et intéressant, c'est d'aller regarder les quatre coins, les quatre cartes du coin. Donc là, on a la carte du livre, la carte du serpent ici. Ensuite, on a la carte des oiseaux et ensuite, on a la carte... des chemins, donc il faut vraiment les lire comme dans le sens des aiguilles d'une montre qui va nous donner aussi une information. Ici, donc là, la carte de la lettre et la carte du serpent, donc on apprend une trahison, hein, on en discute ici et du coup, on a un choix à prendre, on a un chemin à prendre, on doit prendre une décision, on réfléchit ici. Alors, si vous avez une question, parce qu'il y a des gens qui aiment bien poser des questions et avoir une réponse dans leur tableau de Mademoiselle Lenormand. Ce qu'il va falloir regarder ici, ce sont les quatre cartes qui sont en plein milieu, qui vont vous donner clairement la réponse ici. Du coup, ce qui d'ailleurs fonctionne beaucoup mieux quand on fait des lignes de 8, ce qui va donner vraiment un tas comme ça de 4. Là, on ne sait pas si on doit prendre celui-ci ou celui-ci. Mais clairement, la solution, elle est souvent comme ça, en plein milieu de votre tirage. J'ai aussi une autre information, c'est que c'est toujours intéressant de regarder les trois premières cartes qui sont sorties ici, qui vont vous donner aussi un aperçu par rapport à votre question ou par rapport à votre situation, tout simplement, si vous ne posez pas de questions. Donc là, on a la carte de la lettre, des souris et du soleil. Donc clairement, ce qu'on va apprendre, c'est par exemple ce qu'on va apprendre qu'on nous a volé, qu'on a perdu quelque chose, etc. Vous allez pouvoir donc réussir, avoir une réussite par rapport à ça et maîtriser tout ça parce qu'on a la carte du soleil. C'est une carte positive, évidemment. Donc, qu'ai-je oublié? Oui, j'avais oublié de vous dire une chose importante dans le tableau de Mademoiselle Lenormand, à savoir où se situe la carte du cœur pour celles qui veulent savoir s'il y a un éventuel prétendant qui cache des sentiments. Et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les questions, à savoir si cette personne a des sentiments pour moi. Eh bien, si vous vous intéressez à ce jeu et que vous faites vous-même le tableau de Mademoiselle Lenormand, vous avez des positions... où se trouve la carte du cœur, ça vous dit clairement si oui ou non vous avez un éventuel prétendant qui vous cache des choses, des sentiments, etc. Donc les positions sont... Alors là comme ça, bon ça vous parlera pas quand je dis ça, mais c'est à la place donc de la carte de l'ours, donc à la place numéro 14, si vous avez le cœur qui tombe ici, vous avez un éventuel prétendant qui vous cache des sentiments, qui est amoureux.
Ensuite, si vous l'avez également ici, donc à la place 22, 23, 24 et 32. Donc clairement, si vous avez, donc là elle est juste à côté, donc voilà. Mais voilà, si vous avez dans ces positions-là la carte du cœur, vous avez un éventuel prétendant pour celles qui sont intéressées de savoir, évidemment. Donc voilà, j'en referai certainement un. Dites-moi si vous avez des questions, laissez en commentaire. Donc bientôt, je donnerai le résultat de la personne donc, qui a gagné une question gratuite. Et pour celles bon, qui n'ont pas été tirées au sort, évidemment, je vous invite, oh là là, à me contacter si besoin, si vous avez besoin d'une question de votre thème astral ou encore d'une synastrie, c'est nouveau. Voilà, n'hésitez pas donc à me contacter par mail. Vous avez toutes les informations, voilà, si vous désirez votre tirage. Je vous embrasse et j'espère que cette vidéo vous a servi. Je vous dis à bientôt.